Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Question pour tous les deux. Comment on sort d'un match comme le dernier au Havre? Est-ce qu'il y a de la colère, de la frustration? Qu'est-ce qui ressort de ce match-là? Bah, bien sûr, de la frustration. On a montré pas mal de caractère pour à chaque fois remarquer un but après en avoir encaissé un. Caractère, mais peut-être on a lâché sur le mental parce que on a pris le troisième qui nous a mis dedans et très déçu parce que on se devait de gagner surtout à l'extérieur. Ça nous permettait d'avoir des points et d'aborder le PSG avec plus de sérénité. Au classement, en effet, vous avez un tout petit matelas désormais sur les poursuivants et vous avez deux gros rendez-vous, le PSG et le Paris FC. Est-ce que ça vous oblige quelque part à faire un résultat sur l'un des deux matchs? Obligé, je crois pas. Par contre, on a travaillé et on va tout faire pour en prendre. Mais pas obligé. On va tout faire pour. Après, il y a beaucoup de déceptions sur le dernier match. Bien sûr. Chez toi, Yannick, elle se situe où, la déception? De ne pas être en capacité, sur ce match, de conserver le résultat. Marion parlait de caractère. Je crois qu'on en a. Je crois qu'on a progressé aussi là-dessus. Mais il faut en avoir jusqu'au dernier instant. Il y a trop de situations depuis le début de saison où on n'a pas assez bien démarré, on a mal fini les matchs. Et moi, c'est pas dans mes valeurs de lâcher à 3 minutes, 2 minutes, mais peut-être même là 1 minute de la fin. C'est pas possible, on défend trop mal sur la dernière action. J'en veux aussi à l'équipe sur le deuxième but encaissé, parce qu'on enchaîne quelques erreurs. On n'a pas assez défendu à ce moment-là. On a un premier exemple, un deuxième, qui nous montre que le Havre est en capacité de revenir au score. Elles ont une troisième opportunité parce que mener, aller chercher, et c'est vrai que c'est beaucoup de caractère de ne pas lâcher, d'aller chercher le troisième but à la 87e minute, mais on ne doit pas lâcher derrière, on doit faire front, on doit être plus fort à ce moment-là. Maintenant c'est fait, c'est le foot, il faut passer à autre chose. Moi je suis déjà passé à autre chose personnellement, je pense que le groupe aussi, et on va tout faire pour faire un coup là, bien sûr. Marion, ce fauteuil de barragiste sur lequel vous êtes assis, l'idée c'est de le défendre à tout prix sur les deux prochains matchs? Bien sûr, on a galéré pour avoir ce petit fauteuil parce qu'on a eu des contre-performances, mais les autres équipes aussi, qui sont en concurrence avec nous. Donc on a cette chance de pouvoir l'avoir. Après, je pense que le groupe est conscient de tout ça et quand on aborde les matchs, peu importe l'équipe, on sait contre les équipes comme Lyon, Paris, PFC, ça va être un combat défensif qu'on va peut-être pas forcément avoir beaucoup beaucoup le ballon, mais on est capable d'accrocher un résultat et tous les points sont bons à prendre. Tu parles de défense, vous récupérez Maïlis pour ce prochain match normalement? Oui. À quel point tu penses que son absence aussi a été préjudiciable pour l'équipe? Tout simplement sur le nombre. On a Luna qui est plus là depuis la trêve et du coup ça fait deux joueuses en moins avec la suspension de Maïlis, donc c'est intéressant pour le groupe, oui, de retrouver une défenseur de plus. Oui. Et elle pouvait nous amener des rotations. Après on a Céleste qui a ce rôle de un peu de joker, voire même titulaire par moment, mais moins dans, enfin, une fois, si je dis pas de bêtises, en janvier, dans ce rôle de défenseur. C'était un peu
l'autre solution avec les absences. Mais c'est bien, ça permet d'avoir un groupe un peu plus consistant et c'est mieux d'avoir une joueuse de plus, oui. Ça, c'est intéressant pour eux. Jouer contre Paris, est-ce qu'on fait fi aussi des statistiques des différentes oppositions ces dernières saisons? Ou est-ce que en même temps c'est forcément une motivation? On regarde tout. Sur les quatre derniers matchs, on a fait deux fois match nul, donc on prend des points. C'est bien et du coup ça nous montre que c'est faisable, ça c'est intéressant, très important. Après, si on parle de statistiques, elles sont sur 20 matchs sans défaite. La dernière défaite remonte à très longtemps maintenant. Donc on joue une équipe qui a beaucoup progressé, qui est de mieux en mieux, qui montre des choses en termes de jeu, beaucoup de qualité. Voilà. Après au match aller, on avait encaissé ce but très très vite qui nous a un petit peu plombé le match, je trouve. On a vu beaucoup d'occasions. Certainement le match contre le PSG sur les 3-4 dernières années avec le plus d'occasions. Malheureusement, on ne les concrétise pas et elles nous font mal sur des moments dans le match toujours très importants contre les très grosses équipes. Voilà, mais on l'aborde de toute façon pour aussi répondre à ce qui était posé avant, finalement, avec une situation où on n'est pas favori. On a rien. Moi, je prends ce match comme une situation où on n'a rien à perdre, même si effectivement. On peut peut-être se dire qu'à la fin, si on ne prend pas de points aujourd'hui et la semaine prochaine, ça sera peut-être préjudiciable. Mais si on regarde de plus près, il faudrait un parcours exceptionnel des deux autres concurrents. Donc je me dis juste qu'il faut l'aborder avec l'envie d'aller chercher quelque chose, de faire un coup, le fait de beaucoup y croire. Il faut y croire, mais les stats récentes nous montrent que l'on peut y croire. Parce que quand on fait les deux fois match nul, on n'est pas loin de le gagner aussi. J'ai des idées en tête, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est quand on fait 2-2, s'il y a deux pénalties dans le match pour nous, il n'y a rien à dire. Et c'est peut-être un autre match. On avait la possibilité de mener 2-0 à un moment donné sur un des deux matchs. Là, c'était très bien. Et du coup, voilà. Mais il va falloir être aussi costaud. Je pense que, et on l'a dit souvent cette saison, c'est nous qui avons les données en main. On a un adversaire de très haut niveau, mais quand on est performant, quand on est connecté tout ensemble, quand on est très ambitieux dans le jeu, très concerné sur le plan défensif, on est une bonne équipe. On a une bonne équipe. Nous sommes une bonne équipe. Mais il faut le montrer. Plus souvent et j'espère qu'on sera en capacité contre Paris de montrer. Marion, vous l'avez en effet, comme dit Yannick, vous l'avez embêté ce Paris Saint-Germain cette dernière saison, notamment ici à Grammont. Est-ce qu'il est plus abordable entre guillemets que l'Olympique Lyonnais, cette saison notamment, d'après toi? Je trouve que l'Olympique Lyonnais nous fait beaucoup mal sur les coups de pied arrêtés. Le PSG, ça sera plus dans le jeu. Après, ça dépend de leurs états de forme. Hein. Mais pour quelques filles que je connais très bien au PSG, c'est quand même des personnes qui ne lâchent rien jusqu'au bout. Après, elles ont peut-être moins de bancs que l'Olympique Lyonnais. Maintenant, ce qui est bien pour nous, c'est qu'on les joue à domicile. Et à domicile, c'est vrai que cette saison, on a quand même fait de bonnes performances. Que ce soit dans la qualité, dans le cœur. Tout ce qu'on a montré à domicile, c'était quand même positif. Donc voilà, c'est... On va dire qu'aujourd'hui, le PSG, quand même, ça tourne pas mal. Elles ont retrouvé son cas Toto. Elles ont eu une nouvelle joueuse qui a marqué encore en Ligue des Champions. Elles sont sur une bonne lancée en Ligue des Champions. Voilà, elles gagnent de l'expérience, de la maturité. Donc, c'est sûr que ça va être compliqué à jouer. Maintenant, on a aussi des joueuses de qualité. Peut-être que sur le papier, individuellement, on est moins forte, mais collectivement... On arrive à se compléter et ça peut suffire sur un match.
Yannick, vous allez avoir le costume d'outsider, évidemment, sur ce match-là. Est-ce que vous ne gérez pas mieux, finalement, ce costume-là? Parce que c'est souvent quand vous avez été favori cette saison que vous avez fait des contre-performances. J'espère que on gérera bien quand même jusqu'à la fin de saison quand on sera favori, parce qu'il va y avoir des matchs importants qui vont arriver après. J'ai envie de répondre oui, notamment à domicile. Donc je rejoins Marion là-dessus, il faut encore l'amplifier. Peut-être qu'on a une posture un petit peu d'équipe qui va devoir travailler plus défensivement. On le sait, la possession sera un peu plus parisienne. Les statistiques nous le montrent. Donc oui, c'est possible. Après, je crois qu'aujourd'hui, Paris est au niveau de Lyon. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu match nul. Ça s'est joué dans les derniers instants aussi, où finalement PSG menait. Je crois vraiment que PSG est au niveau de Lyon actuellement. En début de saison, peut-être pas. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui progresse. Et c'est un vrai gros adversaire. Je reste persuadé qu'on est capable de faire cet exploit. Et si on le fait, je pourrais dire chapeau à mon groupe, parce qu'on joue une équipe qui risque fortement d'être demi-finaliste au moins de la Ligue des Champions. Et ça, c'est un super défi pour nous à relever. Aller taquiner une équipe qui est dans le dernier carré de la plus grosse compétition au monde. Voilà, c'est un vrai défi et j'espère qu'on sera en capacité collectivement de le réussir.